Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Peace. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de l'édition Collector qui est pas encore disponible mais qui a déjà été annoncée hier à la Comic Con et aussi je vais vous parler des statuettes et du contenu de du pack Collector tout simplement. Alors première chose à propos de l'édition Collector, c'est que vous aurez une Mystery Box. Alors dans cette Mystery Box, il y a tout simplement, vous pouvez l'ouvrir, il y a de la place à l'intérieur pour mettre des choses. Et en fait quand vous allez ouvrir la Mystery Box, vous allez avoir une lumière bleue et il y aura une sorte de cri. De zombies fantômes, je sais pas trop, mais je vais vous mettre un extrait de toute façon juste là maintenant. Le chat, c'est 250 $ la statue, c'est insane, c'est cher. Ça fait un bruit quand ça s'ouvre. Oh god! J'ai pris cet extrait sur le live de Mabzuel. Alors franchement, s'il vous plaît, je mettrai sa chaîne en description. Et n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne, liker, partager et abonnez-vous. Parce que franchement, il fait du bon travail. Et ça, c'est très important de le soutenir parce que c'est un des seuls, c'est même le seul français à avoir essayé de live la Comic Con. Donc c'est vraiment le surnom quoi. Franchement il a géré, encore heureux qu'il était là parce que moi j'ai suivi tout son live. Et grâce à lui je sais plein d'informations que je n'aurais pas su ou que j'aurais dû attendre encore quelques temps avant que ça sorte en français. Parce que moi je ne sais pas parler l'anglais, lui il parle très bien anglais et il a su traduire un peu tout ce qui se disait. Et ça c'est juste insane et je le remercie. Alors pour le remercier, n'hésitez pas à aller vous abonner à Mabzuel les frères, c'est un très très bon streamer, vous allez pas être déçus du tout. Enfin bref, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette édition collector? Tout simplement il y a trois graphiques lumineux, donc on peut voir à gauche de la Mystery Box. Donc ces trois graphiques lumineux, je sais pas pourquoi ils disent lumineux, peut-être que vous allez pouvoir le brancher, je sais pas du tout, ou que c'est à pile ou quoi et que ça fait une petite lumière. Donc ce serait pas mal franchement de mettre ça sur un mur ou quoi derrière moi, en live sur mon mur. Ça donnerait trop bien si c'est lumineux et tout, que ça y a des petits trucs de couleur. Ou alors c'est tout simplement qu'ils ont fait ressortir de la lumière, enfin c'est dessiné d'une façon que la lumière ressorte plus. Je ne sais pas trop vous en dire là-dessus. Je sais que c'est voilà trois cartes de graphiques de justement du Black Ops 4, mais je ne sais pas pourquoi ils disent des graphiques lumineux. Je ne comprends pas. Alors ensuite, il y aura 10 petits patchs, donc des petits écussons de spécialistes. Donc les 10 spécialistes qu'on a en multi seront en petits patchs comme ça, en petits écussons dans l'édition collector. Alors là, il y a une petite BD, donc c'est un comics. C'est le premier comics de tout simplement l'histoire du chaos. Donc c'est la nouvelle histoire de Black Ops 4 avec les nouveaux personnages. Et en fait, cette BD, enfin ce comics, la série des comics, donc là vous avez le premier volume à l'achat du collector, hein, bien sûr, de l'édition collector. Mais il y en aura plusieurs comics. Je sais pas du tout s'il sera en français. J'espère qu'ils le mettront en français parce que les autres comics des autres Black Ops, il n'y avait pas en français, donc il fallait parler anglais. Je pense qu'il y a un français qui l'a traduit en français, mais je ne sais plus, je ne saurais pas vous dire. Ça c'est Kenshin, que j'avais entendu ça chez Kenshin, mais je ne sais plus trop. Enfin bref, alors en tous les cas, ce qu'il faut savoir sur cette BD, c'est que c'est l'histoire des personnages en fait. C'est une histoire qui va expliquer comment les quatre personnages se sont rencontrés. Et voilà, c'est une histoire supplémentaire. Donc c'est une histoire qu'on n'aura pas dans le jeu même, mais c'est une histoire que si vous voulez le savoir, il va falloir acheter les comics ou attendre qu'un youtubeur en parle tout simplement. Donc moi je ne saurais pas vous en parler parce que je ne parle pas anglais. Je pense que le comics sera en anglais parce que voilà, il a toujours été en anglais et jamais en français. Donc à moins qu'il fasse une exception pour Black Ops, enfin pour ces comics là,
Ce serait pas mal. Peut-être que je l'achèterai s'il le mettrait en français, ou sinon bah, j'attendrai tout simplement qu'un autre youtubeur en parle, puis je vous en parlerai peut-être, je ne sais pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des Fight Pins. Des Fight Pins, donc, c'est tout simplement des figurines. Hein. C'est 4 petites figurines en plastique. Donc elles sont vraiment pas mal, hein. C'est les 4 figurines des nouveaux personnages. Hein. C'est pas, elles sont pas super grandes, mais voilà, elles font un peu la taille, parce que Jason Blundell l'avait caché dans la Mystery Box, il l'a sorti de la Mystery Box, j'essaierai de vous montrer un extrait si j'arrive à retrouver le moment. Et on peut voir les 4 petites figurines, donc voilà, elles sont pas énormément grandes, mais elles sont quand même stylées. Qu'est-ce que c'est? We're also part of the C edition is these fig pins for each of the characters, which we've done as well. C'est les statues des quatre. Alors ensuite, ils ont fait un poster qui résume les 10 ans de Call of Duty Zombie, donc Black Ops. Ils ont réuni les 10 ans de Call of Duty Zombie et ils ont fait un immense poster qu'ils ont donné gratuitement à la Comic Con. Donc tous ceux qui étaient à la Comic Con, ils ont eu le poster. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici vous n'allez pas avoir le poster, mais vous allez avoir le puzzle qui contient 1000 pièces et qui reformera tout simplement le poster. Donc il faut savoir aussi que ce poster là, enfin ce puzzle, a été dessiné à la main, entièrement à la main. Donc ça n'a pas été fait sur PC, etc. C'est vraiment... Bah de l'art, c'est un truc artistique fait de main. Alors voilà, c'était un truc que je voulais vous dire parce que bah, je l'ai appris sur le live de Mabzuel. J'ai appris énormément de choses, hein, franchement. Grosse dédicace à toi, Mabzuel. Franchement, je te kiffe. Tu deviens une de ces références de zombies pour moi très très importante parce que voilà, Kenshin il était pas là cette fois-ci, mais cette fois-ci t'étais là et franchement, t'as toujours été là et franchement, je te suivrai et je te soutiendrai jusqu'au bout, mon petit Mabzuel. Franchement, je te kiffe. On aura un steelbook avec full le jeu, hein. C'est tout simplement une édition collector avec le CD, avec le livre, un livret et tout ça à l'intérieur. Et on aura des pop sockets, donc ça, il y avait déjà ça dans un autre pack, je crois que c'était l'édition Deluxe ou je ne sais plus, enfin bref. Donc il y aura un pop socket. Donc qu'est-ce que c'est un pop socket? C'est quelque chose que tu attaches derrière ton téléphone, que tu peux mettre tes mains, enfin tes doigts, tu le mets entre tes doigts et en fait, tu as une meilleure... stabilité, enfin on va dire maniabilité, au moins on pourra moins facilement vous le voler en fait. C'est pour pas que vous tombez, vous laissez votre téléphone tomber, par exemple si vous êtes dans une foule et que vous êtes en train de filmer, ben ça vous aidera à mieux soutenir votre téléphone que quand il y a pas de pop socket. Donc voilà, ça sert à ça en grosse partie, hein. Et puis après ça fait un petit peu stylé, on va dire. Puis je pense que même qu'on peut s'en servir comme quand on regarde une vidéo sur YouTube, ben comme il y a un soc, un pop soc derrière, un pop socket, ben peut-être que quand vous allez mettre votre téléphone à plat, ben ça le relèvera un petit peu et vous verrez peut-être un peu mieux. Ça peut servir comme ça aussi. Je sais pas, j'ai jamais utilisé de pop socket de ma vie. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai seulement appris que ça existait parce que Call of Duty en a proposé un dans son son édition collector. Enfin bref, il faut savoir aussi que vous aurez le Black Ops Pass. Alors le Black Ops Pass, il y a une rumeur qui dirait que si on ne précommande pas le jeu, on n'aura pas la possibilité d'acheter les packs de DLC, donc des maps zombies, à part. Alors cette rumeur, je tiens juste à vous dire que c'est complètement faux, c'est impossible frère, c'est impossible. C'est comme... c'est impossible, je sais pas c'est qui a lancé cette rumeur, mais si ça s'avère réel, eh ben alors là je ne comprendrai plus rien à la logique. Parce que pour moi, dans la logique des choses, le Black Ops Pass, c'est un bonus qui nous permet d'avoir toutes les DLC moins chères, donc pour 50 euros, et à la place de les payer 15 euros par DLC. Mais quel avantage aurait Call of Duty à ne pas les vendre séparément? Dites-moi pourquoi. L'avantage justement que les gens ne prennent pas le Black Ops Pass, c'est qu'ils prendront les DLC à part et ils les payeront encore plus cher. Donc c'est un bénéfice pour Call of Duty. Alors pourquoi il n'y aurait pas ça? Alors ceux qui vont me dire oui, mais le Black Ops Pass il n'est pas disponible, si on ne précommande pas c'est de la merde. Non, c'est complètement faux, je vous assure. Je vous jure sur la tête de ma mère, c'est pas possible, c'est... on oublie, ok? Enfin bref. Alors, il sera en inclus aussi la map bonus qui sera classifiée Zombie Experience, donc la map 5, tout simplement, classifiée 5,
qui sera une très très bonne map, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais il y a des informations assez croustillantes à propos de cette map, donc ce sera la quatrième map qui sera à la sortie si vous avez bien sûr acheté. Ça, ce sera uniquement pour ceux qui ont précommandé. Là, je suis d'accord, Classified 5, ça c'est sûr, elle ne sera pas en vente séparément. À part, peut-être dans 6 mois, 1 an, ils la mettront en vente séparément. Mais au début, cette map sera uniquement pour les joueurs qui ont précommandé l'édition, n'importe quelle édition, et qui ont précommandé le jeu. Ça, c'est une réelle... C'est sûr et certain, ils ont fait la même chose sur tous les autres jeux. Après, ils l'ont vendu à part, sur The Giant, on peut l'acheter à part, mais il a fallu du temps avant qu'on puisse l'acheter. Alors, il faut savoir aussi qu'il y aura les 4 nouvelles zombies expériences, donc 4 nouvelles maps. Ça, on le savait déjà, il y a 4 maps avec Classified. Il y aura 12 maps multiplayer, donc ça, c'est le Black Ops Pass, hein, tout ce qui est inclus dans le Black Ops Pass. Et il y aura 4 exclusifs blackout caractères. Donc c'est 4 personnages, je pense que ce sera du zombie, parce que voilà, ce sera 4 personnages du zombie, j'en suis même sûr et certain. Et ce sera des skins qu'on pourra utiliser dans Blackout, tout simplement. Alors là, on se retrouve sur mon PC et vous pouvez voir que Call of Duty Black Ops 4 Edition Collector n'est actuellement pas disponible. Donc, il va falloir attendre un peu. Je laisserai ce lien-là dans la description. Quand il sera disponible, vous aurez juste à aller sur ma vidéo, cliquer sur le lien et puis après, tout simplement, précommander votre édition Collector. Parce que pour l'instant, il n'est pas disponible. Quand il sera disponible, je n'en sais rien du tout. Mais vous tracassez pas, ça va pas tarder. Alors maintenant, je vais vous présenter les 4 figurines qui coûtent extrêmement cher. Alors tout simplement, je vais vous mettre une petite vidéo là maintenant, tout de suite. Et maintenant, on se retrouve sur mon PC, sur le shop de Call of Duty. Et sur, donc je mettrai le lien en description si jamais vous êtes super riche et que vous voulez en acheter. Ce qui n'est pas mon cas. Si je gagnerais plus de YouTube monnaie, ce serait peut-être possible. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Je ne vais pas user 3 mois de salaire, 4 mois ou 6 mois ou 20 mois de salaire pour de YouTube monnaie pour m'acheter une figurine. Quoi. Laisse tomber. Enfin bref, là vous êtes sur le site officiel, vous pouvez précommander. Pour l'instant, il n'y a que Richthofen qui est précommandable. Attendez, je vérifie. Voilà, pour l'instant, il n'y a que Richthofen qui est précommandable. C'est 250 €. Vous pouvez voir un peu plus les images de plus près. Donc voilà, franchement, elle est vraiment stylée. Hein. C'est une très belle figurine. Je ne sais pas de combien de... Attends, je pense que... De toute façon, je pense que les informations sont marquées ici. Hein. Échelle 1/6. Voilà, environ 14 cm de hauteur. De pouces, ou enfin je sais pas trop quoi. Chaque pièce est peinte à la main. Ok, voilà pourquoi la valeur coûte. En fait, je me suis dit, mais pourquoi ils mettent ces figurines aussi chères? En fait, c'est parce que c'est fait de main, apparemment. Une ressemblance authentique et très détaillée avec les personnages du jeu. Chacun des personnages vient sur la base détaillée inspirée du jeu. Ok, donc ça, c'est la base inspirée du jeu. Quantité limitée jusqu'à épuisement des stocks. Ok, donc il y en a peut-être. Limite de 10 statues par client. Ok, on peut acheter 10 statues par client, c'est la limite par personne. Donc, je sais pas comment ils vont faire, sûrement par carte de crédit ou quoi. Ils vont les repérer comme ça. Livraison qui. Imaginez, limite de 10 statues par client. Imaginons, ils en ont fait. Allez, on va dire, ils en ont fait 1000. Ça fait 1000 fois 250 $. On va pas calculer leurs bénéfices, on s'en bat les couilles. Franchement, félicitations, vous gagnez blindé votre vie. Mais maintenant, imaginons. Que j'achète tout le stock, je suis riche, je suis millionnaire, je donne de l'argent à 100 personnes pour qu'ils m'achètent tout le stock, je veux tout le stock, et après je les revends le double, frère, le double, je les revends. Non, mais on pourrait faire un putain de business avec ce truc-là, franchement, ouf, c'est ouf, parce que voilà, jusqu'à épuisement du stock, quand il y aura plus de stock, ce seront des figurines qui coûteront extrêmement cher pour les fans du zombie. Alors, il faut bien sûr que le zombie... persiste, hein, parce que s'il ne persiste pas, ce sera Fortnite qui a les statues vaudra cher et les statues de zombies voudront plus rien du tout, à part pour vraiment les collectionneurs. Mais franchement, ce sont des achats, je pense, des très bons achats si vous comptez faire la collection. Franchement,
Moi, c'est parce que j'ai pas de thunes, sinon je les aurais achetés parce que je sais que ce sont des figurines qui prendront de la valeur et je pense pas que le zombie va mourir et j'espère que non. Donc voilà, alors le Call of Duty Shop, il est sur en description. Par exemple, si je clique sur notre statue, eh bien en fait je ne peux pas la commander, voilà, clic R, tout retourne, je ne peux pas les commander, donc pour l'instant il n'y a que Richthofen qui sont disponibles, et faut savoir que ce sacré Mabzuel en a déjà précommandé une, enfoiré, bien joué à toi, franchement fais-toi plaisir, photo, t'as bien raison. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, c'était soit Colo Mike et ciao. Peace.